Bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, nous sommes au Hilton de Roissy Charles de Gaulle et nous sommes dans un lieu mythique parce qu'on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour les auteurs. Parce qu'on s'est dit, les auteurs, écrire c'est devenir immortel. Or, il n'y a que les dieux qui sont immortels, donc les auteurs sont des dieux. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit d'avoir un traitement prestigieux. Voilà pourquoi on a décidé d'organiser cette deuxième édition du week-end de l'écrivain au Hilton. Cela étant dit, l'année dernière, on l'a fait du côté du Hilton situé à la Défense de Paris. Cette année, au départ, on s'était dit, on repart au Hilton situé à la Défense de Paris. Mais on s'est dit non, il faut qu'on voit plus grand. Voilà pourquoi on a décidé de venir au Hilton de Roissy Charles de Gaulle. Donc, je vous invite à visiter le charisme de ce lieu mythique. Pour ceux qui ne savent pas, le week-end de l'écrivain, c'est une aventure qui a démarré depuis 2000. On a démarré il y a cela 2 ou 3 ans. On a commencé à accompagner les auteurs et tout. Et on s'est dit, ok, accompagner les auteurs, c'est bien, éditer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on mette massivement la lumière sur les auteurs africains. Et quoi de mieux qu'un événement inédit? Nous sommes juste à la deuxième édition. Mais déjà, je peux vous dire que ceux qui seront là le 29 juillet, ici, ça sera du lourd. Lorsqu'on démarre cette aventure, il y a quelques années en arrière, on s'est dit, ok, on va mettre la lumière sur les auteurs africains. Mais comment? Donc voilà, je vous présente tout de suite. Ici, ça sera là où il y aura les stands. C'est ici qu'il y aura les stands. Il y aura aussi tout ce qui est buffet, apéritif, dînatoire, tout ce qui est boisson, ça sera ici, dans cet espace-là. Donc, on ne sera pas à l'étroit. On ne sera pas du tout à l'étroit. Et bien sûr, vous savez que parmi les invités, il y a des VIP, il y a des invités d'honneur, notamment Karamo Sangaré qui sera parmi nous. Il y aura Arnold Minot qui sera parmi nous. Il y aura Stéphanie Mbida de Parlons de Business qui sera avec nous. Et il y aura aussi Juliette Massamba, auteure du livre Garde Espoir, mais surtout femme pasteur et investisseur qui sera avec nous. Bref, ça va être énorme. Et on peut pas juste, on peut justement pas les mélanger avec la masse. Voilà pourquoi on a prévu un carré VIP pour les recevoir. Donc, je vous fais visiter le carré VIP. Bien sûr, la déco n'est pas encore faite, bien sûr. Ok. Mais je vous rassure qu'une fois que tout sera mis en place, ça sera énorme. Donc, ça sera le carré VIP. De ce côté, il y aura un endroit pour faire les interviews et tout le bazar. Et là, il y aura tout ce qu'il faut pour prendre soin des VIP. Et bien sûr, dans les VIP, on a les invités d'honneur et les auteurs. On ne doit pas mélanger les dieux avec la masse. L'avantage, c'est que tout le monde peut devenir un dieu en écrivant un livre qui va impacter des vies dans des années encore et encore. Bref, maintenant qu'on a vu ces deux espaces, on va rentrer dans le sanctuaire, la salle qui va vous accueillir pour les conférences, les spectacles et bien d'autres événements. Et bien sûr, lorsqu'on veut apprendre, il y a deux manières d'apprendre. Soit vous apprenez de vos propres expériences, soit vous apprenez des expériences des autres. Donc là, je vous présente le sanctuaire. Nombre de personnes attendues, 500 personnes réunies pour parler de business, pour parler de pisciculture, pour parler de marketing digital, pour parler de dev perso. Bref, ça va être énorme. Nos auteurs viennent d'un peu partout. On a des auteurs tels que Fouébenoubissi qui nous vient des États-Unis, Kering Gong qui nous vient de l'Allemagne, Alex Zouessa qui nous vient de l'Allemagne, Herman Kamga 2, un as du marketing digital qui sera parmi nous, qui va partager avec vous les nouvelles stratégies pour lancer votre business à partir du marketing digital. Donc, ça va être énorme. Donc, imagine la scène. Un lieu comme celui-ci, 500 auteurs, entrepreneurs, investisseurs qui se réunissent là. C'est un réseautage de dingue. Ce sont des expériences de dingue. Dans un lieu de dingue. Donc, il faut être là où les choses se passent, quoi. Je sais pas ce que je vais te dire de plus si ce n'est d'être au rendez-vous le 29 juillet à l'hôtel Roissy Charles de Gaulle, salle Concorde, pour vivre un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. Et la vision de cet événement sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est que cet événement puisse tutoyer les événements tels que le Festival de Cannes. Tu es entrepreneur et on te donne un espace comme celui-ci pour partager ton expérience avec 500 personnes, des personnes qui sont qualifiées. Imagine ce que ça peut donner. Imagine les clients que tu peux avoir derrière. Je sais pas si tu captes un peu le truc. Donc, on est d'accord sur le fait que l'une des choses que les entrepreneurs recherchent, c'est de la visibilité. Et avec un événement comme celui-ci, tu as une visibilité de fou. D'ailleurs, cet événement se déroulera aussi du côté du Burkina Faso le 12 et le 13 août prochain. Ensuite, on se rend à l'Hôtel Franco au Cameroun le 19 et 20 août. Pour participer à cet événement, c'est super simple. Il te suffit juste d'aller sur le site internet argentlivre.com, onglet
Week-end de l'écrivain et réserver ta place. Ou alors, tu cliques juste sur le bouton qui s'affiche soit en premier commentaire de cette vidéo, soit juste au-dessus de cet écran. Cela étant dit, c'était Valère Belias, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous ce 29 juillet prochain pour vivre un événement unique. On est ensemble. En prélude au vaste programme d'écriture baptisé Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le Week-end de l'écrivain tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences, apéritifs dînatoires, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événements. Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74. Le week-end de l'écrivain tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.